Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir à ma tête, c'est une vidéo que j'attendais de filmer depuis très très longtemps. Ça fait un peu bizarre. Et je suis trop contente. Let's go. Tadam. Venez savourer avec moi le déballage. Je l'ai pris en ultraviolet. Ouais. Et bah voilà, on va l'ouvrir. Oh putain. Vous êtes prêts pour ce grand moment? Ok. Ah, putain, j'avais pas envie d'endommager la boîte. Ouais, je suis le genre de personne qui conserve les boîtes, qui aime les garder en l'état et tout machin. Regardez, c'est très vilain! Putain, j'aime pas ça. Pourtant, c'est une très très belle boîte et je viens de tout gâcher. Donc, comment ça s'ouvre? Hop, ok. Ça commence mal. Désolée si vous entendez des bruits. Des petits bruits. C'est Mia. Mon chat. Eh, hey, j'aime beaucoup la présentation. Ça, c'est le truc habituel, vous savez. Pour mettre la carte SIM. On a le bijou que j'ai tant attendu. Tac. Ouais. Il paraît violet, mais en sous... Ouais, en fait, il est violet. Mais ça dépend des... Là, par exemple, à la lumière, il paraît violet. Alors que dans certains angles de vue, il paraîtra plutôt rose. Et là, on a les différents accessoires. Hop. Donc, le chargeur. Ça, c'est l'adaptateur pour transférer les données. Et ça aussi, je me souviens, j'avais une tablette Samsung et il y avait ça, c'était super pratique. Donc grâce à ça, vous pourrez brancher votre clé USB directement sur votre téléphone. Donc ça, c'est super cool. Et là, on a une petite boîte. Donc là, on a le câble et les fameux écouteurs AKG, qui, je suppose, tomberont de mes oreilles. Parce que là, il me faut des écouteurs, vous savez qu'il y a un truc qui s'attache derrière parce que j'ai des trop petites oreilles et après ça tombe. Moi, il me faut des écouteurs comme ça. Je savais déjà depuis un moment déjà que je projetais d'acheter ce téléphone. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté plein de coques sur AliExpress. Je les ai commandées et j'avais pas encore le téléphone. Et le truc, il fait pratiquement toute ma tête. Enfin, c'est même pas pratiquement, il fait toute ma tête. Je vous laisse savourer avec moi ce petit moment. Comment je le tiens avec précaution là? Ah ouais, genre ils ont mis des films plastiques de partout, c'est abusé partout. Ah, par contre c'est vachement salissant. Regardez quand même la différence de taille entre mon téléphone actuel et celui-là. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Oh my god, c'est énorme. Par contre, à la caméra, il paraît vachement incurvé. Mais moi je trouve pas. Ah si, quand même, il y a une immersion. Démarrage d'un... Oh, salut. Salut. Je suis ridicule, n'est-ce pas? Oui, je trouve aussi. Donc au début, je voulais, vous savez, le S9 normal. Mais bah, le S9 Plus, il a plus de fonctionnalités déjà de 1. Et puis, c'est surtout pour la RAM que j'ai pris. Parce que le S9 normal, il a 4Go de RAM, c'est pas super intéressant. J'ai 3Go de RAM, bon, voilà. Donc le S9, on en avait 6, donc plus il y a de la RAM, mieux c'est. Moi, je suis habituée, vous savez, au capteur d'empreinte ici. Je trouve que c'est plus simple, mais là, c'est bizarre. Par exemple, pour faire l'enregistrement, il faut que je passe mon doigt. Genre, je caresse le téléphone, t'as vu. Du coup, là, je dois faire, vous savez, le transfert entre téléphones. Donc, voilà ce qu'ils m'ont demandé de faire pour retransférer mes données. Du coup, j'imagine que ça va prendre du temps, ce truc, parce que j'ai énormément d'applications. Bon, en tout cas, c'est bon. Donc là, du coup, ça fait le transfert. Eh, les gars, je suis la seule à me demander à chaque fois combien de messages j'ai. Et ouais, maintenant, j'ai la réponse. J'en ai 16 000. Eh, les 16 454 messages que j'ai accumulés, c'est au bout de 2 ans. Quand même. Ça montre à quel point j'ai pas d'amis. J'ai une coque en marbre. Ouais, c'est bien ça. Marbre que j'ai acheté. Celle-ci. C'est censé être noir, mais
Là, je viens seulement de remarquer que c'est presque marron. J'ai la même en rouge. C'est une coque que je trouve très très belle aussi. Sinon, je n'aurais pas commandé, n'est-ce pas? C'est juste une qualité de fou malade. Et c'est une coque glitter. Tatatac. Oh. Personnellement, moi, je kiffe. Vous allez me prendre pour une folle. Vous savez cette coque? Je la trouve trop mignonne. Regardez-moi ça. Juste trop choupi. Et vous savez que j'avais vu cette coque la première fois que j'ai fait une commande sur AliExpress pour des coques. C'est la première coque que j'avais vue. Et ça remonte à des années. Et depuis, à chaque fois que j'ai changé de téléphone, j'ai racheté la même coque. À chaque fois, j'ai... Ah, oh, Mia! T'es relou, hein? Voilà. Ça, c'est la coque que j'avais quand j'ai eu brièvement le S7. Unicorn Vodka. Non mais si vous dites que cette coque est moche, je vous croirais pas. Bon, vous savez, un conseil, le transfert de Smart View, ma science, c'est de la grosse. Ça n'a pas fait mon transfert, donc du coup j'ai un peu le seum, j'ai attendu tout ce temps pour rien. J'ai dû interrompre ma vidéo, tout ça pour rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Je pense que ça s'est vu, ça s'est entendu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.